Mozambique, Bénin, séance d'entraînement des guépards. Cherchez sa maison à louer sur afrilogement.com. Rien de plus facile. Ouvrez votre navigateur sur votre smartphone ou sur votre ordinateur. Tapez afrilogement.com dans la barre de votre navigateur. Cliquez sur « Annonce » dans le menu du site web. Recherchez ce que vous voulez et vous allez voir directement ce que vous cherchez. Afrilogement.com, c'est des centaines d'annonces publiées par jour. Coucou, salut, salut, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez dans le monde. L'URS au premier votre sud-oué des finances du foot business et de l'industrie musicale. Ici, on décortique l'actualité du football béninois à travers le News. Plusieurs informations dans une même vidéo, deux fois en vient l'édition unique. Jour J-4, Mozambique-Bénin. En prélude, bien sûr, à ce match qui aura lieu de l'autre côté de Maputo. Les guépards du Bénin sont en train de se préparer et bon, les séances d'entraînement ont repris et tout. La grosse vague est là, quasi majorité bien sûr des guépards, et on va vous faire vivre un peu leur séance d'entraînement ici. Et vous voyez, par rapport à cette séance d'entraînement, avant d'aborder bien sûr les dossiers concernant cette séance d'entraînement, vous voyez, notre formation YouTube est toujours disponible. Le chômage n'existe plus au Bénin, le chômage n'existe plus. Prenez notre formation YouTube qui vous permettra bien sûr de faire des contenus, ce type de contenu jusqu'à aboutir à la monétisation. Un seul contact, plus 229 53 63 87 30. Là, vous allez faire des vidéos sur YouTube jusqu'à aboutir à la monétisation. YouTube va vous payer à la fin de chaque mois. C'est une réalité, c'est pas un rêve. À la fin de chaque mois, prenez notre formation, on va vous former, on va vous donner les rudiments. Maintenant, même si vous avez déjà un boulot, vous pouvez prendre cela pour avoir des revenus supplémentaires, complémentaires, tout ce que vous voulez, et ça va vous aider. Maintenant, si vous voulez de publicité, que vous soyez particulier ou une société, on est toujours disponible et on va parler de vos produits ici. Et vous allez, bon, votre entreprise va connaître beaucoup de succès. Donc, c'est un peu cela. Et bon, on va entrer dans le vif du sujet. Je vais vous montrer les images concernant les guépards, comment ils sont en train de s'entraîner. Élément témoin. On sait qu'on va là-bas pour une bataille. On sait que nous allons rentrer à les trois points, ça c'est sûr et net. Nous allons rentrer à les trois points. Nous sommes tous motivés. On sait que ça ne va pas être facile, mais le mieux c'est d'aller d'abord au charbon et puis, Inch'Allah, ça va marcher. Mentalement, on est prêt, on sait ce qui nous attend. Et déjà, la première des choses à faire, c'est de gagner encore la confiance du peuple. Ce qui n'est pas facile à faire, mais on va le faire. On va aller en Mozambique pour gagner. On est conscient de la situation et nous allons vous faire plaisir et nous faire plaisir aussi et aller à la CAN, Inch'Allah. En info bonus, Guenotro parle du rajeunissement de l'effectif des guépards. Équipe du Bénin, bien sûr. Vous voyez, Guenotro, le coach, parle de ce rajeunissement de l'effectif lors de l'émission Talents d'Afrique de Canal+. Il dit ceci: on a fait de la place aux jeunes joueurs. On a de la chance d'avoir des U20 qui ont fait une très bonne Coupe d'Afrique des Nations en Égypte. Donc, j'ai une demi-douzaine de ces joueurs dans ma liste. J'ai également des joueurs locaux qui évoluent dans un championnat qui tient la route, avec bien sûr des structures qui se montent, une vingtaine de stades neufs qui sont de qualité et avec de très bons gazons synthétiques. Grâce à ce bon championnat, nous avons pu trouver quelques joueurs de qualité qui sont avec nous. On a toujours envie de rajeunir l'équipe. Et oui, voilà ce qui est dit. Bon, en tout cas, donnez vos avis en commentaire, on essaiera d'en débattre par rapport
à cette qualification des Guépards. Est-ce que vous croyez réellement à la qualification des Guépards? Si vous croyez à cette qualification, dites-le en commentaire. On essaiera d'en débattre dans notre communauté. En tout cas, moi, j'y crois fermement. Je sais qu'on a les éléments pour décrocher, bien sûr, cette qualification. On a tout ce qu'il faut. L'Amada, tout pour pouvoir décrocher cette qualification. Et en tout cas, on le fera. C'était moi, Lures. Ciao.